Salut à tous les amoureux des animaux et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, plongeons-nous dans le monde fascinant des chèvres bourres. Dans cet épisode, nous allons découvrir tout ce que vous devez savoir sur ces créatures incroyables, de leur histoire à leurs caractéristiques unies. Restez jusqu'à la fin pour obtenir des informations exclusives et ne manquez pas le lien dans la description pour en savoir encore plus sur les chèvres beurre. Tout d'abord, laissez-moi vous raconter l'histoire passionnante des chèvres bourres. Ces magnifiques animaux sont apparus pour la première fois en Afrique du Sud dans les années 1900, précisément dans la province du Cap Oriental. Leur nom, bourg, provient du mot Afrikaans néerlandais signifiant fermier, reflétant leur lien étroit avec l'agriculture. Ces chèvres sont le fruit de croisements entre des races locales sud-africaines et des races laitières européennes. Leur réputation mondiale est due à leur qualité exceptionnelle en matière de viande. Passons maintenant aux caractéristiques distinctives des chèvres Bour. Elles se distinguent par leur tête brune ou rouge, leurs oreilles pendantes et leur corps blanc éclatant. Tant les mâles que les femelles arborent des cornes courbées vers l'arrière et des yeux marrons captivants. Les mâles adultes pèsent généralement entre 120 et 150 kg, tandis que les femelles adultes pèsent entre 80 et 100 kg. Ces chèvres sont reconnues pour leur fertilité, leur docilité et leur croissance rapide, vivant jusqu'à 12 à 20 ans. Passons en revue les avantages et les inconvénients de l'élevage de chèvres elles ont la capacité de générer d'excellents revenus sur le marché de la viande, grâce à leur viande maigre et savoureuse. Cependant, elles nécessitent plus d'espace pour se nourrir et abriter en raison de leur taille plus imposante. En outre, elles demandent une attention accrue pendant les saisons froides et sèches et peuvent parfois devenir agressives, en particulier les mâles plus imposants. Il est temps de parler des soins essentiels pour les chèvres bourres. Comme toutes les autres races de chèvres, elles nécessitent un abri pour les protéger des éléments et une clôture solide pour leur sécurité. La reproduction des chèvres-bourres est un aspect important. Elles atteignent leur maturité sexuelle à 5 mois, mais il est recommandé d'attendre 2 mois de plus avant de les faire se reproduire. Les chèvres-bourres étant polyestreuses, elles peuvent se reproduire toute l'année, ce qui est un avantage. Enfin, abordons la question des coûts. Le prix d'une chèvre-bourre peut varier en fonction de divers facteurs, notamment l'âge, la santé et la région. En moyenne, elles coûtent entre 150 dollars et 500 dollars. Les chèvres d'exposition peuvent être plus chères, atteignant jusqu'à 2000 dollars. N'oubliez pas de prévoir un budget pour la nourriture et les sous. Voilà pour notre exploration des chèvres bourres. Si vous souhaitez en savoir encore plus sur ces incroyables créatures, assurez-vous de cliquer sur le lien dans la description. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos passionnantes sur le monde animal. Merci de nous avoir rejoints et à bientôt dans notre prochaine aventure.